Voilà, retour au niveau mondial avec les meilleurs gymnastes par spécialité. C'est un tournoi donc par spécialité. Les gymnastes viennent concourir à leurs meilleurs agrès. Et effectivement, le tournoi de Gand réunit un plateau de niveau mondial. Les meilleurs gymnastes sont là. Et on commence tout de suite avec les finales de l'épreuve au sol. Et effectivement, vous l'avez dit, un plateau assez prestigieux puisque ici, à l'image, Anton Golotsoutskov qui vient de recevoir son titre de champion d'Europe au sol à Volos au mois de mai. Voilà, grand spécialiste de l'acrobatie avec ici une double vrille et demi suivie de salto avant, demi-tour, corps tendu. Une difficulté ici, arriver en roulade avant. Il s'agit du Thomas. Salto arrière et demi avec une vrille et demi. C'est Kurt Thomas, l'américain, qui avait inventé cet exercice. Le passage à l'appui tendu renversé avec une position ici, vous voyez, bras écartés. On appelle ça la croix de fer renversée aux anneaux. Petit sursaut chorégraphique. Et une finale, Antsukara, double salto arrière groupé avec vrille. Et voilà donc pour Anton Golotsoutskov, jeune gymnaste russe de 20 ans, qui vient donc d'ouvrir ses finales au sol, à Gand. Et une note de 15, 275.